Parfait, parfait, parfait. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entraide Live, où nous reprenons donc l'aventure Darkest Dungeon. Alors, ah ouais, on était dans la dèche de la Vestale, littéralement parlant. Alors vu que j'ai tout à fond, vu que j'ai tout ce qu'il me faut à fond, ce que je vais faire c'est que je vais très vite matcher le réseau de diligence en fait, pour améliorer mon nombre de héros par semaine. Comme ça j'ai plus de chances d'attraper les champions qu'il me faut quoi. Parce que là il me faut absolument de la Vestale quoi, ça devient primordial. Voilà, là j'ai assez de contrats. Oh super, et en plus j'ai un boss qui s'est débloqué. Et c'est le prophète. Ah, et le prophète, je ne pense pas du ce qu'il me faut pour le faire pour le moment. Oh oui, non. Oh non. Oh tout non. Après, c'est le prophète niveau 1. C'est le prophète niveau 1. Mais de toute façon, je vais d'abord voir les items proposés. Oh là là là. Il y a un bon item qui est intéressant là, mais le problème c'est que j'ai pas d'inventorium assez puissant pour. Oh putain, ça par contre c'est craqué. J'ai pas d'item assez puissant pour le faire, pardon. Excusez-moi. Je vais vite répondre à un message. Voilà, excusez-moi, je répondais vite à un message. Est-ce qu'on peut le tenter? Ouais, on va le tenter. On va le tenter. On va le tenter. Ah, j'ai peut-être même une idée pour non seulement le tenter, mais en plus faire en sorte que ce soit rentable. Je vous cacherai pas, c'est hyper risqué ce que je vais faire. J'explique ma strat. En somme, j'ai pas du tout la bonne team pour le faire. Enfin, si. Le maître chien, la Vestale, le médecin de peste, ça va, c'est plus ou moins correct. Ce qui est embêtant, c'est mon mercenaire. Il m'aurait fallu une furie à sa place. Parce que la furie. Parce que la furie. Le frapper dès sa quatrième position. Elle est en 4 parce qu'elle peut frapper la quatrième position en fait, et donc elle peut directement attaquer le prophète. Alors que mon mercenaire, il va devoir dégommer un rangé de bancs pour pouvoir le toucher, quoi. Mais après, l'avantage, c'est que les rangées de bancs rapportent de l'or si on le tue, quoi. Et comme il est niveau 1, techniquement, il est pas très résistant. Il a pas énormément de PV, donc c'est tentable.
Donc on va vraiment le tenter quoi. Mais j'aurais juste aimé avoir une furie quoi. Juste une furie niveau 2, histoire de d'être plus safe quoi. Ouais, autant faire en sorte qu'il ait des dégâts, quoi. Salut Dartakil! Ça va et toi, vieux? Qu'est-ce que je vais lui mettre? Allez. Ah! Ah! Ça serait peut-être intéressant de mettre ça. Parce qu'en soi, c'est un impie. Mais pas sur le médecin de peste, hein. Le médecin de peste lui il va prendre sur son poison. Ah par contre lui mettre du stun, ça peut être bien. Du stun et de l'esquive. Ah bah nickel! Comme ça même les trucs que tu louperais, tu pourras toujours les voir via les VOD. Je gagnerai 15% de dégâts. Et je perdrai quoi? 2 d'esquive à la place pour 15% de dégâts. Oh, j'ai pas le choix. Ouais, allez. On va tenter le tout pour le tout. On va tenter le tout pour le tout. Oh, c'est tellement risqué ce que je vais m'apprêter à faire. Parce que si mon groupe échoue, c'est la galère. Si mon groupe échoue, je suis totalement dans la galère. Je vérifie juste qu'ils ont leurs compétences de camp. Oh, lui, il les a pas. Ah, elles non plus! Oh, putain! Ouais, je sais, tu me l'avais expliqué. Il n'y a pas de problème, t'en fais pas pour ça. Tu peux, hein, je n'interdis pas les liens. Du moment que c'est pas tes liens malveillants. Alors, ça va me coûter une blinde. Oh, JPP. Oh, 1750 pièces d'or. Bam! Dans mes dents. Oh là là, c'est tellement risqué. Ah là, j'ai une paire de coronets qui viennent me pousser, les gars. Ça me ressemble pas, ça. Moi, d'habitude, je suis un gros marouflard. Ah non, mais je parle pas pour toi. Je parle d'une manière générale. C'est ça que je veux dire. Je n'interdis pas que les gens dans le chat mettent tes liens. Tant que ce n'est pas tes liens mal intentionnés. Parce que moi, celui qui viendra faire ça, c'est direct un ban à vie, quoi. Et ça, qui que ce soit. Allez, c'est parti. Oh là là, mais j'ai une de ces paires de coronets d'essayer ça. Beneath the manor were well underway when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. Les excavations sous le manoir progressaient bien. Ah merde. Ce dégénéré crasseux et édenté professait une connaissance troublante de mes ambitions et prédisait à qui voudrait l'entendre. Que je mènerais bientôt le monde à sa perte. Ouais, enfin, il s'est un peu foiré vu qu'au final tu t'es suicidé, c'est moi qui dois ramasser toutes tes merdes.
Alors, voyons voir un peu le donjon. Alors, non, le donjon, s'il vous plaît. Donc là, non, c'est pas possible. Là, ok, il est là-bas. C'est la zone la plus éloignée de mon point de départ. Donc il y a une, deux, trois, quatre. Quatre pièces avant de le rencontrer. Cinq couloirs. Enfin, quatre. Ah non, cinq. J'ai dit bien. Je deviens fou, moi. Ouais, ça va. Si. Et là, le premier couloir, il y a juste un piège. Ah, nickel! Allez, bonus aux dégâts. Ah bah c'est ce qu'il faut faire hein. Plus 30% de dégâts jusqu'au prochain campement. Ah si j'ai pas besoin de faire le campement, ça pourrait être très très intéressant de les garder. Ah et en plus nickel, il désarme le piège, parfait. Ah on a un petit début de game sympa. On a un tout petit début de game sympa. Ouais mais après tu sais il n'y a plus tellement besoin de faire ça parce que l'avantage c'est que maintenant avec Twitch tu peux réellement interdire certains trucs hein, parce que maintenant tu peux même interdire certains mots qui seront limite qui seront directement censurés. Tu peux maintenant dire directement au truc tu interdis toute forme de lien. Mais pour le moment comme il n'y a jamais eu d'accident et que j'ai pas eu à me plaindre, je ne l'enlève pas encore. Je vous laisse encore ce truc pour jouer, vous partager tes trucs entre vous si vous voulez. Oh les 15% de dégâts qui font plaisir. Mais après oui hein, si je vois à un moment que ça commence à partir en vrai je banne le mec et j'interdis les liens direct. Et j'interdis directement les liens quels qu'ils soient. Ah là je me fais défoncer. Heureusement j'ai un médecin de peste là. Enfin, une médecin de peste. Et les 30% de dégâts de celui-là font du bien. Allez, allez, on va la stun. On va essayer de gagner. On va essayer de tempo pour gagner un peu de soin. J'aimerais juste que le médecin de peste puisse jouer là. Voilà, nickel. Comme ça, je lui enlève le poison. Ah, nickel. En plus, la Vestale peut jouer. Allez, bim, 5 PV. Là, je tue cette araignée là. Normalement, celle qui reste va mourir du poison qu'elle. Ah, bah, de toute façon, je peux l'achever comme ça. Parfait. Oh, le critique à 30. Évidemment. Ah, c'est bien. Mon maître chien était bon lancé d'observation. Ça, c'est cool. Ah, non, mais me parle pas d'Overwatch, s'il te plaît. Je peux pas y jouer. Je dois attendre encore fin du mois pour pouvoir y jouer. Je déménage que fin du mois au final. Mais j'ai tellement envie de jouer à ce putain de jeu. Mais en tout cas, GG à toi, ma poule. Je crève de jalousie devant toi de pas pouvoir y jouer, mais GG. Non mais t'inquiète, je dis pas ça méchamment, c'est juste que j'aimerais tellement pouvoir y jouer et que je peux pas, quoi, ça me fait chier. Tout en plus j'ai vu qu'elle allait avoir prochainement un nouveau personnage jouable. Ce qui me fait chier parce que j'avais déjà loupé son bras. Et son bras, elle me hype tellement. Parce que c'est tout à fait mon style de jeu, ça. Le gros marouflage, quoi. Ok, si je fais les deux salles sans trop m'abîmer. Ça, c'est chiant. Ah, il a esquivé. Oh, putain, c'est chat. Mais c'est chat. Si j'arrive à faire les deux salles propres. Sans me prendre de dégâts trop importants, je vais pouvoir garder mon bonus de 30% pour faire le boss. Et ça, c'est très bien parce que je vais pouvoir péter les rangées de bancs très rapidement, comme ça. Ouais, bon, alors ces deux-là, on les stun. Parce que j'ai pas du tout envie
qui foutent leur merde. Lui, on stun. Comme ça, il faut pas sa merde aussi. Voilà. Oh, parfait. Allez, bim, dégâts. Non, 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 l'arbitre, je suis pas d'accord. Non, non. La vache, il aurait pu la one shot s'il l'aurait frappé dans cet état. Alors lui, on va le stun, hein. Ah, il va pas pour la tuer. Si, ça passe en pile poil. Oh, cette chatte. Ah, et en plus, il esquive. Allez, c'est bon, tu te rattrapes, c'est bien. Ah, bah la vache, ils sont chauds patates, mais mon groupe là. Ils se sentent plus pissés dans mon groupe, c'est abusé. Ah, t'as une petite étoile et tout maintenant. Ah, c'est stylé. J'avoue. Excuse-moi, j'étais concentré sur mon combat, hein. Mais j'avoue, c'est stylé. Bon, bah, vu qu'il reste plus que lui, on va l'empoisonner. Voilà, le poison fait son effet. Oh, je peux le réempoisonner. Oh, ça c'est gentil. Et alors, on lui met un petit crochet critique dans la meule. Voilà, il est mort. Oh, JPP. Ah, il est déverrouillé. Allez. Ah, oh, putain. Oh. Oh, le... Oh, ça fait tellement plaisir qu'il ait résisté. Ah, j'ai trop de bouffe. Sérieux, j'ai trop d'or, sérieux. Quel jeu de merde. Allez, on essaie de le stun. Ça passe! On essaie de le tuer. Ça passe! J'aurais pas dû le tuer en fait, parce que là en fait. Pupute va pouvoir m'attaquer en fait. J'aurais dû pas le tuer. Comme ça, je pouvais stun l'arbalatrier et elle avec. J'ai été con. Ah ouais, hein. Si j'aurais. Ouais, toi que même si je tuais pas. Ouais, non, je me mangeais l'attaque. Je me mangeais l'attaque normalement. Toi que. Non, ah bah non, je me mangeais pas l'attaque si je l'aurais joué correctement. Ah, j'ai été con. Continue la loot, s'il te plaît. S'il te plaît. Level 113! Ah ouais, d'accord! Ah oui, tu te fais pas chier, toi. Voilà, dégâts de masse. Donc ça, je suis sûr qu'elle meurt. Bah, c'est bien, quand je lui mettrai, tu pourras me PL. Je suis désolé. Great is the weapon that cuts on its own. Ah, mais je jouerai pas tous les jours non plus, honnêtement, parce que je t'avouerai que mon premier amour, LOL, restera mon grand amour, hein, sincèrement. Parce que j'adore ce jeu, hein, voilà, je vais être honnête.
Qu'est-ce que je vais acheter pour garder ces items-là? Parce que ça, je peux les revendre toujours, quoi, ça fait de l'or. Bon, je vais jeter un tas de bouffe. J'en ai pas besoin d'en avoir 40 000. Et je vais jeter le feu de camp. Parce qu'au final, je vais pas en avoir besoin. Et le coffre, on va le laisser parce que je vais cramer mes biscuits pour chien pour le boss. Ça, par contre, je suis obligé de le jeter. Aux hommes d'air, j'ai été con, j'aurais pu le garder de côté, j'aurais pu le laisser là et l'utiliser une fois que j'aurais cramé les biscuits pour chien. Ou alors j'aurais peut-être dû jeter des torches, ouais, putain. The madman hides there, behind the pews, spouting his mindless drivel. Ah, il est trop loin. C'est quoi ces taux de résistance? 200% en tout! Ça passe quand même. Biscuit pour chien. Ouais, ça logique. Gravat de ruine. Ouais, ça va, c'est gérable. Sauf s'il faut tous les mêmes, là ça va devenir problématique. On va soigner le poison. On va le remettre une dose à le chien. Ah, ah oui, il fait très très mal ce boss. C'est bon, là je vais pouvoir lui mettre tout mon DPS maintenant. Ok, une fulmination, ça va. Gravat de ruine. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Ça va être tendace de le tuer, hein. Nice. Ça va, il a foiré. Il aurait dû... Oh, nickel! Oh, ça c'est bon ça. Il a foiré. Il aurait vraiment dû se focus sur l'un de mes personnages à 2 PV. Il a super mal géré son truc là. Voilà, c'est bon. C'est pour ça que je disais qu'il fallait une furie en fait, parce qu'une furie d'entrée de jeu aurait pu le taper, parce que mon mercenaire a perdu 2 tours à taper dans le bout de bois. Bon, en attendant, ça m'a rapporté 1250 pièces d'or. Merci. Oh, tu fasses avec tous ces items. Non, 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 on reste, on va vite faire le coffre et on va se barrer.
Voilà. Un boss en moins encore. Tout va très bien. Oh, et en plus, rentable la mission. Très très rentable. 9000 pièces d'or. Et j'en ai deux qui passent niveau 3. Parfait. Alors, haine pour les impies. Par contre, les... S'il vous plaît, les gens, faites un patch pour traduire, pour corriger ce bug de traduction. Parce que là, haine des impies, normalement, c'était bonus contre les impies. Et là, c'est dégâts contre les humains, moins de stress contre les humains. C'est cool, mais normalement, c'est les impies là que je devrais avoir. Alors, cogitation, soin de stress reçu, moins 10%. Oh, tu fais chier. Résidence à la maladie, moins 50%, maladie débitante. Bon, bah, on va t'emmener à l'hôpital. Hein. On va pas te laisser dans cet état, mon enfant. Hein. Ah. Accueilli sur le pont par une foule en liesse, le gardien décrit un brouillard épais décrit un brouillard épais et un départ en avance comme la raison pour l'arrivée saine et sauve du chariot. Prix du ravitaillement, moins 50%. Prix de tes provisions, moins 50%. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ma prochaine mission va me revenir beaucoup moins cher en or. Oh, dites-moi ta Tévestale. Oui, il en a une. Allez, bienvenue dans la famille. Allez, encore deux Vestales et c'est bon, j'ai la team full. Allez, on va améliorer nos chances d'en choper la semaine prochaine. Vu que là maintenant j'aurai 5 aventuriers par semaine au lieu de 4. Alors, de la merde. Ah, quoi que ça, c'est pas tellement de la merde. Ah, c'est non, c'est pas les thèmes que je croyais. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Bon, bah, on va faire cette quête-là pour faire pets, hein. On va faire pets mes niveaux 1. Comment t'as tout ce stress, toi, bonhomme? Oula! Ah non, toi, tu peux pas y aller. Tu n'as pas le bon positionnement. Ah, toi, par contre, tu y vas, mais directos. Vu que c'est toi qui manquais la dernière fois. Alors, on va les trier par niveau, ce sera bien. Donc, si je me rappelle, j'ai un malade. Ouais, te voilà. Alors, avant de le foutre à l'hôpital, on va reprendre son stuff. Ok, il a quand même d'assez bons items, du moins la pierre qui stun. Alors, on va te foutre à l'hôpital. Oh, il faudra aussi que j'améliore l'hôpital parce que le prix des soins, c'est... Paf! Ah, c'est quoi toi ton truc? Amour, oh punaise, il faut te l'aider dans la maison close pour perdre du stress. Oh, c'est chiant ça. Parce que ça coûte horriblement cher quoi. 1500 pièces d'or. Eh ben encore heureux qu'on a fait tes économies, qu'on a fait un gros bénéfice tout à l'heure. Heureusement qu'on a fait de très gros bénéfices. Bon, on va équiper ce petit monde, hein. On va reprendre le stuff sur les clopins. Et par contre, il faudrait vraiment que je trouve de me... Il me faut vraiment de meilleurs items à heal, quoi. Parce que la tête de Junia est très bien, elle fait vraiment le café, mais le problème, c'est qu'elle donne trop de stress. Il faut vraiment que je trouve... un tome de soins et un parchemin sacré. Il faut absolument que j'en goal, quoi. Mais le problème, c'est que pour le moment, le jeu me donne que dalle en bon item, quoi.
Sauf une fois au Darkest Dungeon avant de faire le boss, quoi, mais je vais pas faire Darkest Dungeon avec tes level 3. Je suis pas encore suicidaire. Bon, on va équiper tout ce petit monde, hein. Oh, j'ai vraiment besoin de tout en fait en item, j'ai que dalle. Ah, oh, je suis vraiment à poil. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait une bêtise. Allez, viens là, bonhomme. Encore un peu et renverser un verre plein de flotte sur le bureau. Ça aurait pas été drôle. Chance d'infliger tes saignements. Ouais, allez, on va lui remettre ça parce que de toute façon. Il n'y a pas grand chose de mieux à lui mettre, on va être honnête. Alors, le talisman de soin et la tête de Junia pour elle, d'office. Toi, on va te mettre la pierre à stun. Et j'ai encore rien pour booster son poison. Non, le chat, tu fais pas ça, s'il te plaît. Allez, allez, un petit truc pour booster son esquive. Oh là là, mais je suis vraiment en manque de tout, quoi. Ah, c'est affreux, quoi. Si, c'est ça, Darka. Mais comme je refais une partie, parce que j'espérais que la match sortie sur PC allait sortir son console, et je m'étais dit que ce serait cool de toute la découvrir de A à Z. Et de reprendre aussi à zéro parce que comme je l'avais débuté, j'avais fait que de la merde à certains points, bah voilà, j'ai voulu recommencer. Donc oui, c'est. Mais seulement il faut rebaptiser les persos. Donc si tu veux, tu peux en rebaptiser, hein. Dis-moi juste lequel tu veux. J'attends 2-3 minutes pour te laisser réfléchir. Dis-moi lequel tu veux rebaptiser et on le rebaptise. Pendant ce temps-là, je vais un peu améliorer tout le monde. Oh, évidemment, j'ai toujours mes trois chats. Bon, là, il y en a qu'un avec moi parce que là, il est dans ma chambre. Et que c'est pas le joueur à foutre le camp de la chambre, quoi que je lui dise. N'est-ce pas, monsieur décident? Mais t'es mignon. Hein. Mais sinon, oui, oui, j'ai toujours mes chats avec moi. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas mes chats? Hey, bonhomme, tu fais pas ça. J'ai toujours mes trois sacs à puce. Ah, mais il y en a qui. Ah, mais ça, c'est pas ça qui manque en soi. Le bon DPS, c'est pas ça qui manque. C'est le style de jeu qui varie, par contre. Non, le chat, une. Vilain chat. Voilà. T'es content? Il t'embête plus, le verre? Oh, il va le chercher en plus, hein. C'est pas bon pour toi. Enfin, c'est de l'eau, mais. De l'eau avec un fond de cacao. Et le cacao, c'est pas bon pour toi. Alors, je rassure, je ne bois pas de cacao avec de l'eau. Non, c'est juste que j'ai bu un cacao. Que j'avais la flemme de le nettoyer maintenant. Donc, j'ai mis un fond d'eau pour pas que ça sèche. Et je le nettoierai demain matin. Oui, je suis un crado. Mais bon, en même temps, faire la vaisselle à 2h du matin. Voilà, hein, vous m'excuserez. Je suis moyennement chaud. Surtout qu'en plus tout le monde dort, donc si je commence à faire de la vaisselle. Lush, jeans. Viens là, bonhomme. Oh oui, t'es gentil. Donc attends, je vais te résumer un peu les persos en fait, d'arcade, comme ça tu pourras choisir. Donc, on a les médecins de peste. Les médecins de peste. C'est ma classe favorite parce que c'est la classe du marouflard. C'est tes DPS qui en fait mettent tes stuns et tes empoisonnements à mort. Et derrière, ils peuvent en plus soigner leurs alliés d'empoisonnement en leur rendant un peu de PV et en se soignant eux-mêmes. C'est très drôle. Bon, la Vestale, donc ça c'est les healeuses. La Furie, une grosse DPS contrôle. Elle peut contrôler toutes les deux premiers ennemis et foutre plein la gueule sur tout le groupe en face. Maître Chien,
Il a un stun très puissant, il peut s'auto-heal et il a très bon DPS par le saignement. Le croisé, c'est un gros bourrin. Il tape à l'épée et coupe les gens en deux. Le bandit, alors lui, c'est un peu spécial. En fait, lui, c'est un DPS distant CAC, basé sur le saignement. Alors là, c'est une Vestale. Le maître d'armes. Alors lui, c'est pas à proprement parler un gros DPS, mais c'est un gros sac à PV qu'il faut beaucoup, beaucoup de choses pour le tuer. Le mercenaire. Le mercenaire est un énorme DPS avec un peu de contrôle et surtout avec des buffs pour les ennemis. C'est très drôle. L'arbalétrière, qui elle est un énorme DPS distance. Elle fait très très mal. Franchement, c'est l'un des pires DPS du jeu, je crois. On a l'occultiste, que lui son truc, bah lui c'est foutre tes debuffs à la gueule des ennemis et leur foutre plein la gueule. Voilà. Et en plus, c'est cette classe qui a le heal le plus pété du jeu. Alors on a les pieuses. Les pieuses sont d'énormes DPS pour la deuxième et troisième position avec des saignements. C'est très très puissant. Pour vite tuer le centre d'un groupe ennemi. Alors, mercenaire, on l'a fait. Voilà, on a fait le tour. Donc, je te laisse choisir ce que tu veux. Par contre, le croisé est déjà pris, j'avais oublié, mon frère l'avait pris, je l'ai pas rename. Et il l'avait baptisé Poulpe. Voilà, donc si tu veux, tu peux rename. Si tu veux, j'attends encore 2-3 minutes, puis je lance. Hein. Excuse-moi. Et d'ailleurs, je précise une chose. Ah, tu voulais le croiser, toi, je présume. Merde. Ah, ça c'est contraignant parce que je suis désolé, le croisé a été pris. Et j'en ai qu'un. Ah, je suis désolé, mon petit Dark Tail. Ok, ça marche, un médecin de peste. Comment veux-tu appeler ton médecin de peste? Alors, on va te mettre le plus puissant, hein. Alors, est-ce que j'en ai un? Je crois que j'en ai un niveau 3. Ah non, j'en ai pas un seul niveau 3. Ah si, si. Bah, il est justement à l'hôpital. Mais c'est pas grave, on va quand même le renommer. Alors, comment veux-tu qu'on l'appelle? Ah, c'est rigolo, je sais pas qu'on pouvait bouger ce truc-là. Alors, comment veux-tu qu'on le nomme? Ok. Alors, attends, hein. Je vais regarder sur le chat pour le copier correctement. Avec les majuscules et tout. Mais en fait, ça va, le pseudo en soi, c'est pas compliqué. C'est juste en fait, il y a des majuscules au milieu. Voilà. Bon, maintenant on va partir à l'aventure avec notre petit groupe. Ah, par contre, c'est cool, j'ai une grosse réserve d'or avec tous les items que j'ai ramassés durant la dernière quête encore. Ça va, niveau pognon, on est à l'abri pour. Bon, enfin, pas à l'abri à vie, hein, on va pas exagérer. Mais on peut. On a le temps de voir. Hein, si on se casse la gueule une fois, ça va, on pourra se relever facilement.
Ah ouais, il y a tes niveaux 1 donc ils se prennent d'office du stress. Merde, j'ai pas mis son stun. Merde. J'ai fait mon maître chien. Bon après c'est le... Oh saleté. J'aurais pu faire plus de... Je serais été plus rentable si elle m'aurait laissé utiliser un item. Ah elle est cupide, ça va. Elle est pas non plus... merde, comment c'est encore? Ben, j'ai oublié le nom de cette maladie qui font qu'ils arrêtent pas de voler. Bon bah vu que j'ai oublié de lui mettre son stun, il va DPS hein. Ah nickel. Alors on va essayer de stun les deux. Nice. C'est pas faux. Bien que pour le moment, Darkest Dungeon, je le mets un peu de côté. Et pas parce que je n'aime pas le jeu, hein, loin de là. C'est parce qu'on a beaucoup de jeux lancés. Et j'essaie de focus un peu sur certains jeux, le temps de les finir et de pouvoir reprendre d'autres derrière, quoi. Parce qu'on a quand même Darkest Dungeon, on a Fallout, Fallout 4, pardon. Horizon, Mad Max, Rebel Galaxy, et je suis sûr qu'il y en a un sixième que je suis en train d'oublier. Mais voilà, dans tous les cas, ça fait énormément de jeux et il faut que je focus un peu pour au moins essayer de les finir. Comme ça, on fait un peu de place parce que il y a encore tout le contenu qui arrive dans 5 jours. Dans 5 jours, je dois aller chercher Berserk pour le stream. Et ça, putain, qu'est-ce que j'attends de pouvoir le stream ce jeu. Berserk. Oui, je suis un gros fan du manga Berserk, hein. Je tiens à le préciser à l'avance. Hein. Donc, ça, dès que je l'ai, on va en bouffer le premier jour une séance de stream. Et je sais, le jeu est sorti déjà il y a quelques jours, etc. Hein, mais. Voilà, t'es. Soit t'aimes Berserk, soit t'aimes pas Berserk, quoi. Et moi, j'adore Berserk, quoi. Alors, on va essayer de lui enlever cette stupidité avec le corail. Allez, corail, s'il te plaît, fais ton travail. Tiers dévié. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais. Oh putain, quand j'aurai le PC, c'est mort. Quand j'aurai le PC, c'est foutu. Déjà que là, sur mon compte Steam, j'ai déjà pas mal de jeux à moi perso. Que je vais stream évidemment. Le jeu ou le manga, tu veux savoir? Que je peux t'expliquer les deux, hein, mais peut-être que c'est. Peut-être que tu demandais pour un précisément. Oh, nice, full stun, parfait ça. Ah, pourtant, cette galère, maître chien ici, parce qu'ils sont résistants au saignement. Y'a que là, ils sont niveau 1. Les deux, ok. Alors, on va commencer par le jeu vidéo. Hein. Donc, le jeu vidéo, eh bien, c'est un miso, donc c'est-à-dire en français, c'est un Dynasty Warrior dans l'univers de Berserk. Donc, c'est un jeu où tu vas avoir d'immenses batailles, où tu vas jouer un personnage plus pété que les autres, et que tu vas devoir massacrer tu mob à la chaîne, à la queue leu-leu, en remplissant tes objectifs pour gagner la bataille. Avec 2-3 notions de jeu de rôle. Très vaguement abordé quoi.
Et pour ce qui est du manga, eh bien, c'est un seinen, donc je précise, enfin un seinen, pardon, je tiens à le préciser d'avance. Alors si on se demande, mais qu'est-ce que c'est un seinen? Parce que vous savez peut-être pas forcément ce que c'est, hein, chose que je ne vous reproche absolument pas. C'est que un seinen, c'est un manga pour adultes. Non, c'est-à-dire c'est un manga qui va aborder des thèmes pas forcément franc tutoyer, tout mignon, tout plein, etc. quoi. C'est un truc où tu verras tes personnages mourir, mais pas mourir après 40 000 épisodes et de façon classe, histoire de faire joli, genre comme je sais plus que le mec dans Naruto qui fumait la clope et qui était le maître de celui qui fait ses ombres. Là, j'ai totalement oublié Naruto, tellement ça m'a saoulé, désolé. Je crois que c'est Azuma, un cœur est dans le genre, je sais plus du tout. Bref, et donc c'est un seinen très très gore et violent. Pour donner le ton, normalement, hein, bon, hein, normalement parce qu'en Europe on s'en bat un peu les couilles, tes notions. Hein, je saurais pas te dire parce que je n'ai pas joué à ce jeu. Je n'ai rien contre One Piece. Mais en règle générale, les shonen, je ne m'y intéresse plus. Les shonen, j'en ai trop bouffé quand j'étais jeune. Sincèrement, les shonen, je peux plus. Bien que le One Piece soit de très bonne qualité, hein, parce que je veux dire, l'histoire est sympa et tout, parce que j'ai un peu suivi au début, quand c'était le début du bazar, je me suis arrêté à Gecko Moria. Non, c'est un bon petit manga et tout, mais moi j'ai totalement décroché tes shonen. Parce que les shonen, ce que moi je n'aime pas, c'est que les... Comment dire? C'est que c'est toujours le même schéma. Faut m'expliquer, en gros, c'est très simple. Le schéma d'un shonen, tu vas donc suivre les péripéties d'un héros qui sera toujours un peu débile pour justement... justifier que tu découvres son monde avec lui. Hein, tes exemples, Son Goku qui est totalement con quand les gamins, genre il sait pas ce que c'est la différence entre une fille et un garçon, il connaît pas la capsule corp, il sait pas trop ce que c'est un véhicule, il faut tout lui expliquer de A à Z. Et ça c'est la justification que font les mangaka pour que expliquer que ton personnage sache rien et que tu découvres tout avec lui. Hein? Alors en dehors de ça, le héros sera toujours un putain de morphale qui va bouffer comme 4. Parce que... D'autres exemples. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'il y aura toujours un truc particulier par rapport aux autres personnages qui l'entourent. Hein. Allez, exemple à la con, bah, Son Goku, c'est un Saiyan ultra talentueux en arts martiaux, blablabla. Il se transforme en singe quand il voit une pleine lune au début et puis t'apprends que c'est un Saiyan donc... qui se transforme en Super Saiyan, blablabla, bref. One Piece, bah... le héros a bouffé un foutu démon qui le rend caoutchouteux. Et Naruto, il a un putain de démon dans le corps. Donc voilà, hein. Alors le héros sera généralement toujours orphelin. Hein, parce que regarde, Naruto... ses parents sont morts. One Piece, on n'en parle pas, tout simplement. On sait qu'il était pris par le bras par le pirate au chapeau de paille qui a perdu un bras à cause de lui, mais à part ça, on s'en bat les steaks. Naruto, on l'a déjà dit, et Son Goku, bah. Sa mère, on n'en a jamais entendu parler, et son père se retrouve dans le passé. Oui, enfin, à la base, son père était mort, hein, il est mort avec la destruction de la planète Vegeta. Mais dans l'un des derniers films OAV, on apprend qu'en fait, non, il est... on ne sait pas pourquoi, il a été expédié dans le passé. Ouais, ouais, chante, oui. Mais voilà, en gros, ils n'ont pas de parents, c'est toujours des orphelins. Alors, en dehors de ça, leur premier rival sera généralement leur meilleur ami dans la vie. Hein. Hein, exemple, Son Goku et Petit Cœur.
Bon, par la suite, ça devient Vegeta. Mais au départ, c'était Petit Cœur. Parce qu'avant que Vegeta soit là, c'est Petit Cœur qui vient, qui forme Gohan, qui aide Son Goku à casser la gueule à son frère. Bref, et par la suite, oui, ça deviendra Vegeta. Vegeta qui était aussi un rival, c'était un méchant pendant tout un temps, hein. Dans le cas de Luffy, dans One Piece, indirectement, on peut dire que c'est Zoro qui est un peu son premier rival et ami, on va dire. Enfin, dans le sens que Zoro est à la base un chasseur de pirates. Ouais, enfin, je suis désolé, c'est pas plus con que Son Goku ne sache pas embrasser sa femme alors qu'il a déjà deux mouflets. Hein, je veux dire, niveau connerie manga, t'en fais pas, on peut trouver dans n'importe quel manga tes conneries. Donc, dans le cas de Luffy, bah, t'as Zoro qui est ultra pété et qui est à la base est un chasseur de pirates. Hein, donc, techniquement, c'est une sorte de rival indirectement. Et dans le cas de Naruto, Sasuke, hein, pas besoin d'en parler, hein, on connaît tous l'histoire de Sasuke. Hein. Donc voilà, c'est. Alors. Ouais, mais. Je veux dire, jette pas la pierre à One Piece pour ça. Et les personnages comptent, on bouffe tout le temps dans les shonen. Ils sont toujours cons dans les shonen. Toujours, toujours, toujours. Ben moi j'ai bien aimé Naruto au tout début. Parce que honnêtement, l'arc avec Zabuza était pas trop mal. Parce que voilà, c'était des vrais ninjas déjà à ce moment-là. Parce que rien qu'utiliser une seule technique, putain, tu vois Kakashi qui est ultra connu, que tout le monde se chie dessus quand il le voit. Une seule technique, ça, enfin non, il va pas balancer qu'une, mais il en balance 2-3 grands mats. Et le mec, il lui fallait une semaine pour récupérer. Et le reste du combat, bah, c'était vraiment de la stratégie. Parce que c'était genre le shuriken de l'ombre avec un shuriken dans l'ombre du premier, un deuxième shuriken dans l'ombre du premier, etc. C'était bien, il y avait de la stratégie, c'était un peu ninja et tout. Et par la suite, bah c'est devenu un shonen classique. Hein. Donc c'est-à-dire. Super attaque dans la gueule qui ravage tes forêts entières, qui pète tes montagnes. Les mecs ils se prennent ça dans la gueule alors que. Et ils survivent, hein! Ils se prennent tes coups comme ça, mais ils survivent alors que derrière, si ça touche le sol, ça rase la forêt et tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est parti en vrille, quoi. Le seul truc que j'ai trouvé pas trop mal parce que ça sortait un peu du lot. C'est le personnage d'Orochimaru, et j'explique pourquoi. C'est parce que Orochimaru, oui, c'est le méchant du second arc, mais c'est pas un méchant qui est en mode je veux conquérir le monde. Non, 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 non. Lui, ses objectifs, c'est un peu plus profond. C'est un mec, il a une peur de la mort, il ne veut pas mourir, il veut trouver le secret de l'immortalité et connaître toutes les techniques du monde. En gros, il veut acquérir le savoir ultime. Pourquoi pas? Sincèrement, pourquoi pas? C'est pas un mauvais objectif en soi. Bon, après, c'est ses méthodes hein, qui laissent à désirer. Hein. Mais en soi, ses objectifs sont pas si scandaleux, quoi. C'est juste la méthode qui est hard, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus. Et sinon, bah, l'autre plan, c'est à chaque fois les méchants dans les shonen, quoi. Putain. En gros. C'est toujours tes méchants qui veulent à chaque fois conquérir un truc. Alors au début, ça va être un village, puis ça va être un pays, ça va être le monde, ça va être la galaxie. Ça va à chaque fois monter crescendo, toujours avec un méchant plus pété à chaque fois. Et il faudra toujours que le héros débloque une transformation ou un pouvoir craqué à la fin du combat. Parce que voilà, on parle du pouvoir de l'amour ou de la colère, etc. Pour protéger ses amis et tout, qui va débloquer un pouvoir mindfuck et devenir encore plus craqué. Et au prochain méchant, ça servira à rien. Voilà, c'est. Voilà. Tout ça, voilà, c'est vraiment les schémas des shonen qui font que je ne peux plus suivre les shonen. C'est tellement cousu de fil blanc que j'en ai marre.
C'est pour ça que les seuls mangas que je suis, c'est les CNN. Et sinon, pour venir sur Berserk, et donc Berserk, donc voilà, c'est un CNN très gore et très violent, parce que comme j'expliquais, c'est un manga qui, en Asie, il est interdit de le vendre en dehors de son emballage plastique, pour éviter que le jeune public puisse le lire en mode loose day dans le magasin, tellement que le manga est gore. Que pour donner le ton, Berserk, c'est un truc où tu suis un mercenaire qui s'appelle Guts. Alors déjà, ça te donne déjà le ton qu'un personnage s'appelle Guts, parce que Guts en anglais, ça veut dire trip. Hein, voilà, ça donne le ton. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle, on l'a baptisé Guts? C'est très simple. Son père adoptif, quand il l'a trouvé, en fait, la mère de Guts a été pendue enceinte de lui, pendue à mort, hein, j'entends bien, et elle a accouché morte. Et Guts est resté quelques jours sous le cadavre de sa mère, en décomposition, et donc t'as tous les fluides corporels et autres qui ont coulé sur son corps. Il a vraiment baigné dans les tripes de sa mère. Mais littéralement parlant. Et c'est pas censuré pour dessous. Tu vois réellement le cadavre de la mère, tu vois Guts, tu vois tout. La censure, le manga, il connaît pas. Et le mec mercenaire avec sa femme, parce que c'est un mec marié, ils adoptent Guts et le père, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va en faire un mercenaire. Genre, dès 8 ans, Guts va aller sur tes champs de bataille se battre à mort. Ah, me demande pas, Dragon Ball S, je regarde pas. Franchement, je l'ai dit, les shonen, quels qu'ils soient, j'y suis plus. Je ne les suis plus, ça me... Je peux plus suivre un shonen, je n'y arrive plus. J'ai juste eu tes échos par Highlight, parce que lui, c'est un gros fan et qu'il suit toujours. Mais putain, quand il m'explique les trucs qui se passent, je suis content de pas avoir suivi, en fait, hein, vraiment. Bon, mon chat qui fait encore tes bêtises, excusez-moi. Non, arrête, vilain chauve. Le bazar qui veut arracher la... qui veut jouer avec la souris du PC, quoi. Tout va bien. Et sinon, dans Berserk... Donc voilà, ça et ça, c'est expliqué très vite. Parce que, crois-moi, ça, c'est encore très soft dans l'univers de Berserk. Hein. Parce que il faut savoir qu'entre-temps, Guts a 12 ans. Son père adoptif... Ah oui, avant ça même... sa mère adoptive, qui l'adorait, meurt devant ses yeux de la peste. Et encore une fois, c'est pas censuré. Tu vois la bonne femme bouffée par la peste. Donc, elle est en putréfaction, elle est toujours vivante, etc. C'est gore. C'est très très gore. Mais ça reste encore soft dans Berserk. Parce que là, on va arriver là dans les détails... Dans les détails gore. Pareil, plus tard, un peu plus tard après la mort de sa mère, son père adoptif va perdre une jambe sur un champ de bataille. Il va devenir infirme. Guts va devoir donc se battre pour les deux, pour les faire vivre tous les deux. Son père adoptif va devenir dépressif et alcoolique. Tu vois le bon plan qui arrive là, hein? Et il va dépenser tout le pognon qui ramène Guts. Mais vraiment, il va tout cramer, le mec. Au point que... malgré l'argent que Guts rapporte... Ah, mais le jeu sera soft. Hein. Je pense que le jeu sera très soft, sincèrement. Mais là, je te parle du manga. Hein. Et en fait, son père... il y a un gros black... Et c'est pas une façon de parler, c'est vraiment un gros noir, hein, je peux pas le dire autrement, désolé. Hein, qui va débouler et qui va proposer un plan à Gambino pour faire beaucoup de pognon. En gros, il file une fortune à Gambino à condition qu'il laisse le mec violer Guts. Et Gambino va dire... Oui, il s'appelle Gambino, le père adoptif de Guts, j'ai oublié de préciser. Va dire oui. Donc, à 12 ans et quelques, Guts va se faire violer par un gros black. Voilà. Et encore une fois, c'est pas censuré dans le manga. Et ça, c'est les premiers chapitres.
Mais en gros, tout le long du manga, c'est ça. C'est tes morts trash, violentes, tes viols, il y en a. Mais après, je précise, parce que c'est vrai que là, je vends très mal le manga, hein. Le manga est excellent. C'est un excellent manga. L'histoire est géniale. Les personnages sont travaillés, mais un truc de ouf, Gaudin. Franchement, c'est dingue. Le détail du dessin en manga, je parle pas en anime, en manga, c'est tellement beau. C'est tellement bien foutu. Pour en fait, niveau série, tu es déjà à la deuxième saison et c'est à chaque fois 13 épisodes par saison. Le problème, c'est que c'est très chaud de les trouver en streaming. Le seul moyen vraiment de les trouver, c'est. Faut vraiment l'acheter légalement en fait. Parce qu'ils sont très à cheval là-dessus. Et sinon, comme je disais, mais voilà, la qualité du dessin. Du manga papier, parce que je les achète, hein, c'est pas une blague, hein, je les DL pas ni rien, je les achète légalement. Hein, parce que franchement, c'est magnifique, quoi. Le mec, il met facilement 6 mois, 1 an pour sortir un tome, mais quand il te le sort et que tu regardes le truc, tu te dis que les 1 an, 6 mois d'attente. Bon, et aussi, il faut préciser que le mangaka qui dessine Berserk est atteint d'une grave maladie. Hein, et le mec refuse que quelqu'un d'autre fasse le boulot à sa place. Ça te donne le niveau de professionnalisme du mec. Moi, je dis chapeau au bonhomme. Quand je vois la qualité des dessins, mais la vache quoi! C'est super beau quoi! C'est des œuvres d'art que le mec nous fait. Et c'est vraiment pas pour lui jeter tes fleurs, hein. C'est vraiment un putain de boulot de godin qu'il nous fait le gars. À chaque fois que je regarde, je suis impressionné par les illustrations. Et alors derrière, le scénario, l'histoire est géniale. Tu sais vraiment pas où ça va te mener, sincèrement. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Je crois que c'est une maladie osseuse ou un cancer dans ce style-là. Mais je sais que, résultat des courses, le mangaka doit très souvent prendre tes pauses pour pouvoir aller se soigner, hein, et pour pas crever tout simplement, hein. Mais encore, je suis pas sûr que ce soit aussi grave. Je crois juste que c'est un truc osseux. Ça le tue pas, mais ça le fout très mal par moment. Ça le fout vraiment très mal. Et donc le mec, il doit faire tes pauses pour aller se faire soigner, récupérer un peu, etc. Parce que le manga, il est hyper vieux, hein. Le manga date de 89. Ce manga est quasiment aussi vieux que moi. Moi, je suis né en 88, hein, pour vous donner le ton. Et le mec, il faut savoir qu'il a déjà fait toute l'histoire. Toute l'histoire dans sa tête est faite, hein. Il sait comment ça va se terminer et tout, hein. Et d'ailleurs, le manga marche tellement bien que le mec qui le produisait et tout, on dit, mais si tu veux, on peut te foutre tes assistants, t'auras plein de contrôle sur eux, tant que ça te plaît pas, ça sort pas et tout. Et le mec a dit, non, non, c'est mon œuvre, c'est ma création, c'est mes dessins, c'est à moi de le faire, à personne d'autre. Je refuse que quelqu'un d'autre travaille sur Berserk de mon vivant, quoi. Et rien que pour ça, le mec, il a tout mon respect déjà, hein. Et donc, les mangaka, parce que, et donc ses producteurs, parce que. Le manga est tellement populaire que ce soit en Amérique, en Asie ou en Europe, et qui rapporte tellement de pognon que les mecs ont dit ok, pas de problème. Et donc le mec il bosse totalement à son rythme, il a aucune pression, et à chaque fois c'est tellement de la bonne qualité ce manga, bordel de merde. Qu'il n'y a rien d'acheté dans ce manga, je suis désolé de vraiment. Je sais bien que je fais mon gros fanboy service là, mais c'est vrai, il n'y a rien d'acheté dans le manga. Il est tellement bon. Parce que là, je t'ai résumé le très début, parce que ça part sur un décor très terre à terre, mais par la suite, il y aura de la magie, il va y avoir tes monstres, etc. C'est génial. Merde, quel con! J'ai appuyé sur le bouton PSN, pardon. Mais voilà, le manga est. Il est tellement bon, quoi.
Et tous les personnages sont hyper bien travaillés. Bon, il y en a certains que j'ai envie de baffer parce qu'ils sont insupportables, hein. Ouais, un petit fail, parce qu'en fait je faisais aller ma main pour discuter et voilà, j'ai raté le bouton. Hein. Chose qui arrive. Et comment dire, à part certains personnages que t'as envie de baffer, pas qu'ils sont mal faits. C'est juste que c'est des personnages que dans la vraie vie, c'est des gens que j'éviterais parce que je les supporterais pas. Mais tous les personnages sont hyper bien travaillés. L'histoire, tu sais pas où elle va t'amener. Tu sais pas du tout où tu vas. Et il y a tes personnages auxquels tu t'attaches réellement parce que... Bon, je ne spoilerai pas plus, hein, je ne dirai pas pourquoi j'aime ce personnage ni rien, mais il y a un personnage que j'adore dans ce manga. Parce qu'il apporte tellement à l'histoire quand même. Et il permet tellement aux autres personnages d'évoluer. Mais voilà, franchement, ce manga, je le recommande vivement à tout le monde. Mais je le recommande à un public averti. Parce que c'est un manga qui n'a pas de censure. Et qui atteint tes bords, mais très hard. Parce que ça aborde le viol. Autant sur tes enfants que sur tes adultes, hein, je précise. Hein. Y a aussi de l'inceste, je tiens à le préciser. Il y a des morts, mais des morts à la gore, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit les morts dans Game of Thrones, surtout dans le duel à mort avec la montagne et la vipère rouge, ça a été ultra long qu'on lui écrase la tête. Mais dans Berserk, crois-moi, c'est que dalle ça comme mort. C'est vraiment dans Berserk finir la tête écrasée en compote. Je crois que c'est l'une des morts les plus soft que tu peux avoir par moment, quoi. Parce que t'en as vraiment. Où tu te dis, t'as vraiment pas envie d'être à la place des mecs, hein. Mais clairement pas. Mais voilà, pour un public averti, hein, je recommande ce manga. La lumière, la promesse de sécurité. D'ailleurs, si tu veux t'attaquer à la série, hein, alors conseil, regarde les trois films animés qui sont sortis avant, parce que l'anime fait la suite à ça. Parce qu'en gros, actuellement, il y a 3-4 gros arcs de Berserk. Les trois films sont en fait le premier arc. Et le manga reprend à la fin des trois films, et donc la série reprend au deuxième arc. Donc il faut mater les trois films avant. Mais les trois films sont excellents. Parce que, bon, le dessin est un peu moins beau que le manga papier, mais bon, après, pour égaler le mec sur son manga, en dessin, il faut se lever très tôt. Parce que je vais sans doute faire encore mon fanboy, hein, mais je ne connais pas un seul dessinateur de manga qui a le niveau de ce mec en dessin. Quand ce mec dessine, c'est de l'art qu'il te fait. C'est pas juste un manga, c'est vraiment de l'art. Et mais à part ça, les films sont géniaux. Ils durent chacun 1h30, 1h40. Ils sont très quali, ils sont très propres. Mais pour moi, le gros point fort du manga de ces trois films, parce que bon, malheureusement, ils sont censurés quelque peu et il y a des scènes coupées. Hein. En même temps, ils n'allaient pas te montrer tout le côté gore de Berserk alors que c'était un truc qu'on peut acheter à la Fnac. Hein. C'est les musiques. Les musiques des films sont totalement craqués. Alors, oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal tout cela. Ah, une bonne semaine. Et malgré le fait que cette campagne semble interminable, les récents événements donnent du courage à l'équipe actuelle dont l'assurance semble être plus élevée que jamais. Cool.